Monsieur Sawab gade là, li rele Serard Gassius. Li se commissaire gouvernement nan Gonaïve. Pendant dernier moment yo là, gen deux groupes gang kap fè actualité kidnappé, violé, touye. C'est Kokorat sans race ensemble avec Bas Grand Griff. Nan jou passé yo, chef de gang Kokorat sans race là en bas code. Selon information radio référence mette d'ailleurs qui nan Gonaïve, eh bien commissaire gouvernement lagé chef de gang rale chez ou nous pral ba ou détail. Bonjour, bonsoir tout le monde qui chanouye. Encore une autre fois m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne. Et merci parce que partager vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo, zami pa ou fou. Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Fouko. Chaque m'te annoncé au peuple haïtien, monsieur Sawab gade là, c'est maître Serard Gassius. Nan jou passé yo, yo te révoqué nan tête paquet go naïf la. Et yo t'a pral remplacé l par maître Vanel Amizial. Et bien frère c'est ça bien aimé, sans bail aucune explication ak justification, quelques jours après, maître Serard Gassius pral retourner ensemble avec yon lettre nomination comme commissaire gouvernement go naïf. Et ça qui grave dans l'histoire, Med Vanel Amizial, pas de joindre aucune lettre révocation ou bien transfert. Est-ce qu'il est capable de gagner des commissaires gouvernement même côté? C'est une question qu'a posée. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, sous l'obédience nouveau commissaire, Med Serard Gassius, chef de gang Kokorat sans race là, pral libéré. Kokorat sans race qui te commencé perdi plim nan jou passé yo, eh bien avec remonté commissaire s'entendé a, eh bien Kokorat sans race pral retourner pran plim encore. Auparavant Kokorat sans race te kon a déchepillé citoyen dans zone Tibois d'Aom sous bassin bleu. Eh bien immédiatement commissaire a monté, li vin rentré, li vin installé li nan rentre cité l'indépendance lan nan la croix Péris. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, gang sa ki continue à opérer, continue à faire zak malhonnête, kidnapping, séquestration, vol, assassinat pour citer ça ou seulement. Eh bien Williams Raymond qui se chef principal gang Kokorat sans race qui te joine arrestation pour activité criminelle, rive joine libération nan mes chef paquet go naïf la qui se Serard Gassius nan jou passé yo. Pendant juge qui te en charge sous dossier a, pot ko même prend aucune décision contre chef de gang ça. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, actuellement la gang Kokorat sans race qui vient reprend confiance cap terroriser moun cap passé cap rentrer dans grand nord pays ya, et moun kap sorti dans grand nord pour rentrer dans département la Tibonite. Est-ce que commissaire si la pas mérité yon bois calé? Mesdames, mademoiselles et messieurs, li important pour que nous très très veillatifs. Yon série de autorités depuis yon fin prend l'argent yo qui te mêlé yo ensemble avec peuple parce que yon déjà associé ensemble avec gang yo, pas gagné yon pral faire contre gang yo. C'est bois calé pour nous mettre sous yo. Les yo kidnappé, yo violé, yo volé à faire nous, c'est kay commissaire pour nous aller faire joindre commissaire. Les que gon juge qui prend décision libérer yon chef de gang, li touche l'argent en bas, chef gang nan a toujours collaboré ensemble avec elle. Eh bien nous même peuple haïtien ça pour nous faire, c'est débarquer kay juge là, passer l'on bois calé pour le quitter volé.
Le la police fin redi, y déjà en faiblesse déjà. Li fin redi le maon bandit. Ça fait pourtant de la justice à plagé la peuple haïtien. Faut nous correspondre ensemble avec juge ça. Parce que la police pas qu'à faire kove. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est ça. Nèg nan la justice yo vle arrêter bandi, prend l'argent et puis libérer encore pour continuer ban nou problème. Et bien nous même dans sens ça c'est bay tête nous justice bwa kale pa gen campé. Jounen jodi a gon série de bandi k'ap fè actualité. Yo te arrêté yo déjà oui. On prend par exemple ti lapli. Yo te arrêté ti lapli nan volé pa nou soleil. On commissaire pral libérer. Eh bien, journée jodia, mais qui ça le devenu? Depuis, moun nan te font premier zak malhonnête. Y jouen moyen, le paye l'argent, yo libérel, pa pense le bral changer. L'ap continue et l'ap fait pi mal toujours, parce que le toujours gen en tête li, l'ap vole en quantité bagay moun, pour ge assez l'argent, jou la justice ou bien la police, ta déposé la patte sous li pour le paye yo, pour le ressorti encore, al continue fait zak malhonnête. En tout cas, moun nan la Tibonite kap soufri en bas men gang kokorat sans race, la police s'il vous plaît, mettez ensemble avec la population en plus toujours pour que nous capables traquer bandi. Et population pas hésiter filer manchette tout parce que gon série de vacabon à col, gon série de vacabon nan institution nou yo, fòn met vacabon sa yo de côté kap mal pensé pour nous. Chay saute sous tête li tombe sous épaule. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pendant week-end nan la la police voyait divers tout les gangs dans le pays sans chapeau. Eh bien, nèg yo prend pause chan yo, yo chita, yo ap sire soulier et pourtant c'est contrôle moun yo prend. Sak prend pause yo c'est machin pa padap. On côté la police a fait opération, pa gon grain moun et pour vendre pa padap. Qui pa padap pour vendre là? Pour gang yo ap vann papa dap la. La police dépose la patte sou moun sa yo. Dernièrement la gon machan manje kwit frèze sa bien-aimé. La chodiel nan tête li carrément. Se kote la police ya même la prend direction tandis que est-ce que la police pral achete manje? Non. Ou quoi se cause nan pays sa? Donc moi bien content la police vin pi vigilant ak moun sa yo. Ase yo kon a passé yo ap dou de l'eau, boire café, boire te gaz, et vrai, veye yo. Et la police li très très important, si moun ki nan la rue yo tout faut veye yo. Parce que souvent gang yo kon utilise yo pour faire tout te. Opération pa ka fè ton côté et puis ou ap gade ti moun a passé, ou ap gade machan ka passé. Yo pa vrai machan, yo gon l'autre mission des marchandises ki nan tête yo. Li très très important pour que nous pensions ensemble avec moun sa yo tout. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, moi invite ou toujours été connecté ensemble avec plateforme Paola pendant nous bral la prière. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça yo te connait c'est pas ça. Alléluia. Gloire yo commencé perdre bataille. Amen. Et vous faites carré perdre bataille. Amen. Pas sibérière. Amen. Vous suspendez torturé. Amen. Vous suspendez faire mal. Les bon Dieu frappez bien la terre. Arrêtez, sachez. Ils ont que j'ai signé. J'ai donné là. Alléluia. Amen. Je dis à ma bandit défi. Prends la rue avec Zama. Je dis à l'insécurité. Il change quand? Il change quand? Oh oui. Alléluia, béni soit l'Éternel. La sécurité a changé quand la loi comment dit, je dis assez yon pas qu'à dormir, je dis assez yon père. Papa ici continue à mobiliser chaque haïtien yon manchette, défendre tête ou face à l'insécurité. Pas sibérien. Amen. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. Je dis à mon défi, ou mon petit défi, faire live. Pour dire mes côtoyés. Faire live. Moi, mon petit défi, folie mourir, al kidnap au monde. Que peuple apprend de stèle en main.
Alléluia, papa, ici, prends destin en main, protéger tête ou, protéger la cour, protéger localité ou, protéger famille ou. Papa, ici, prends destin en main. Alléluia. Ou pas de l'eau. Nous pas de zami n'a pas mouri, y'a pas monté des sommes, y'a pas jamais dit rien pour nous. Qu'on prend ma chèque, qu'elle tout saute, continue de défendre. Zami le gouvernement, gouvernement pas avec, c'est gouvernement gang lié. Alléluia. L'État de justice dans le pays, peuple là-bas est tête de justice. Amen, y'a pas de jambes choisi, mais nous justice, n'a pas souffri, y'a pas kidnappé nous toute la sainte journée. Eh bien, moment, c'est moment pour défendre tout, puisque pas de monde ne peut pas ici, cap défendre. Ennemi, pas supérieur. Les bagues de justice dans le pays, c'est le peuple qui fait justice. Tout ça arrivé là, c'est Ariel en eu de la cause. Amen. Si Ariel qui a autorité, ça va la briver là. C'est inconséquence, conséquence li. Tout ça va passer là. Bablème peuple là. C'est gouvernement qui pas comme besoin. C'est gouvernement qui moral. C'est gouvernement qui fatra. C'est gouvernement qui vaut rien. Alléluia, mon Dieu. Et ça qui yo te ge force pour tout, y est président. Oui? Mais yo pas qu'à bailler population en sécurité. Gardez papa ici, mobilisez. Campé sous manchette ou pour défendre tête ou contre bandit. Merci justice. Femme bouche ou moraliste. Les capales en pile. Côté ndeye. Les adaptiers policiers. Côté ndeye. Les adaptiers malheureux. Côté ndeye. Les adaptiers d'abé mouna. Liliane Pierre-Paul, femme bouche ou. Pierre Espérance, femme bouche. Tout se met gang yo parle ensemble ak yo. Moraliste yo. Si pa gen moun mouri pe pa isyen, yo pa ka fè rapport, yo pa ka présenter journal, parle ensemble ak yo, nou gen dwa viv nan prop peyi nou. Bouchou, et jodi la di clairement, nou pa bezwen intervention étranger encore. Et choléra yop vin bon nou. Peuple a géré dossier a. Peuple a réglé dossier a. Nous pas besoin de l'en débarquer encore. Li trop tard. Li trop tard. Ennemi a pas supérieur. Amen. Alléluia. On va acclamer Seigneur. Acclamer Seigneur, mon fils. Que mon Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas prêcher violence. Mais toute violence, ça, c'est Ariel Henry qui cause lui. Amen. S'il si pas papa gang, il s'y tire, il tolère. Je veux dire, it's too late. Yes. It's too late for the blood to come. Yes. Nous pas besoin d'intervention hydrogène encore. Alléluia. Haïtien, c'est mettre coq, veiller coq. Amen. Il y a toujours vini piller à faire nous. Voler à faire nous. Chaque yon vini. Yon allé. Pas jamais de sécurité. Fois ça, peuple haïtien. Campé sous manchette ou pour défendre tout. Haïtien, pas destin en main. Pour vivre dans le pays. C'est terre lié. Amen. Tout le monde protège terre. Effectivement, protéger mon sauté par là, c'est terre ou lié, c'est terre sans cette, c'est lui, y'a te mouri qui te pour nous, c'est nous pour protéger, pas que moun ka protéger pour nous. Stand for your ground. Exactly. Campé devant territoire. Campé devant territoire. Parce que faut que nous gagnons la paix. Ennemi, pas supérieur. Frappez mon Dieu, ennemi. Ennemi, pas supérieur, papa ici. Celle ça va demander blanc pour le faire. C'est pour le voyer au avion moniteur. Oui, il y a un qui tape travail pour lui dans le pays d'Haïti depuis 1900 jamais. Tout n'est qu'il en liste Canada. Tout n'est qu'il en liste ces domaines. C'est liste ça, c'est des belles listes, c'est des bonnes listes. Pas qu'on innocent là-dedans. Arrêtez, vacabon ça y est. Allagez au acre ça y est pour me sans juger. Parce que c'est ça que la vraie. Amen. Et c'est pas seul gang d'Outounio. C'est pas seul gang Piaté. Faut aïe, c'est comme un vrai gang, non. C'est nèg à costume, c'est nèg l'ambiro, c'est le papa gang, non. C'est nèg à baïsade, non. C'est nèg la drone, non. C'est ça au gang, non. N'a vu, quand même. L'éternel va dire arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Méchant pas jambes fini bien. Ça va étonner, moi. Méchant pas jambes fini bien. Qui ça somme premier dit? Si les méchants croient ça, comme l'aime, c'est pour être anéanti à
jamais boire calé pirette peuple haïtien. Repentance ou la mort, mais le droit ta pour ils ont repenti, le droit ta pour vite l'homme repenti, le droit ta pour tu la vie repenti, le droit ta pour Christ a repenti. C'est repentance ou la mort, puisqu'on va repenti, bon Dieu qu'on reste là, que mon Dieu béni. L'homme gaillé, caca bandit. Que mon Dieu fasse grâce, que mon Dieu aide. Haïtien les détempés, haïtien bataille pour nation. C'est tes nous liés, c'est tes ancêtres nous liés. Bataille avec vacabon, bataille avec méchant, bataille avec politicien pépé. Vieux sénateur, ancien président, ancien ministre, yo tout ce rôle, bataille! Alléluia! Alléluia, mesdames, mademoiselles et messieurs! Yes! Kaye Kaka Bandi! Kaye Kaka Bandi! Kaye Kaka Bandi! Alléluia, bon Dieu. N'a pas gagné caca bandi peuple haïtien. Nous pas dans race. Ça fait plusieurs jours, la police a sillonné zone en bas la ville. La police continue à intensifier opération tout partout dans pays. Dans sens ça, force l'ordre renforcer présence pendant tout week-end, vendredi, samedi et même journée dimanche là, dans zone Savonne Pistache, surtout dans village de Dieu. Plusieurs unités spécialisées avec section Angelou qui mobilisaient une série opérations qui visaient démanteler toute gang qui établit base dans zone ça et puis penser au capable de terroriser population. Coordination presse et relations publiques police nationale là à travers section audiovisuelle là sur toutes réseaux sociaux yo page officielle Facebook PNH au capable toutes quelques séquences images sous déploiement la police là surtout dans zone stratégique surtout village de Dieu. Toujours dans ça que avec arrestation qui fait avec information qu'il est avec PNH là gagné la police dominicaine qui annonçait arrestation yon ressortissant haïtien qui présenté comme membre gang 5 secondes yeye ainsi connu interpellé dans secteur Padre Granero dans Preto Plata sans et si yeye ainsi connu présenté comme membre gang 5 secondes la police posait la patte sous lui dans République dominicaine la police arrêté lui dans secteur Padre Granero dans Preto Plata d'après information presse dominicaine. Selon information porte-parole direction régionale Nord Raphaël Messon arrestation gangster ça c'est résultat enquête direction régionale Nord police nationale dominicaine menait. N'a pas retourné en Haïti si gen police dominicaine qui a arrêté ressortissant haïtien et ben en Haïti gen autorité policière qui a arrêté tout dominicain. Détachement BLTS DCPJ qui basé na aéroport a procédé vendredi 5 mai à interpellation 5 ressortissants dominicains dans aéroport Toussaint l'ouverture pendant yo tap essai ranyo dans pays Bahamas. Yo te activement recherché par autorité dominicaine yo pour trafic stupéfiant faux ak usage de faux identité au CQS en nous cité 5 ressortissants dominicains sa yo la police haïtienne posé la patte sou yo gen Eustate Santos Rafael Veles Taveras Lincoln Americo Rivera Bugos George Luis Caceres Vasquez David Flores Cavasco Claudio Ernesto. En nous réciter 5 ressortissants dominicains, sa yo, la police haïtienne posait la patte dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture. Yo gen accusation sous doyo. Trafic stupéfiant, faux ak, usage de faux, identité aussi. Estate Santos Rafael, Veles Taveras Lincoln Americo, Rivera Bugos George Luis, Caceres Vasquez David, Ak Flores Cavasco,
Claudio Ernesto. Un peuple responsable a toujours quelque chose à faire. Amen. Un peuple responsable a toujours quelque chose en main. Un peuple responsable a toujours quelque chose à offrir. Si petite que puisse être cette quelque chose, Dieu peut la changer. La parole nous dit que 5000 hommes ont mangé, il y avait plus de femmes que d'hommes, et il y avait beaucoup plus d'enfants encore. Tous ont mangé à satiété et des paniers en réserve étaient considérés. Aucune situation n'est perdue pour Dieu. La question ce matin, c'est qu'est-ce que nous avons en tant que Haïtiens? Présentez-vous devant le Seigneur et demandez-lui de changer le pays. Il va vous demander qu'est-ce que vous cherchez. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais moi je cherche la justice et la liberté. Alléluia. Je cherche la justice pour tous. Je veux que la discrimination cesse. Ce pays qui vit avec des riches à l'extrême et des pauvres dans des situations infra-humaines est intolérable. Nous voulons la justice et nous voulons la liberté. Nous voulons l'équité, nous voulons le droit dans ce pays. Amen. Et quand Dieu vous demande qu'est-ce que vous avez, répondez donc que vous avez votre bonne volonté. Ceux-là qui suivaient le Seigneur avaient faim, ils avaient besoin de pain. À Cana, ils avaient besoin du vin. À Horeb, Israël avait besoin d'espoir. Et ce matin, Haïti a besoin d'espoir. Haïti a besoin de justice. Haïti a besoin de liberté. Est-ce que Dieu peut faire? Si vous croyez que Dieu peut faire ça, laissez-moi voir vos mains devant lui. Investissez votre foi ce matin. Comprenez que devant cette situation difficile, nous n'avons aucune autre alternative que l'Éternel des armées. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11, je peux lire « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire du mal. » Regardez dans votre Bible et vérifiez ce texte. Il s'agit du texte authentique de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Nous ne sommes pas là pour inventer la parole, nous sommes là pour prêcher cette parole. Adapter à notre situation en tant que peuple. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire du mal. Vous avez ce texte dans votre Bible? Lisez pour moi, s'il vous plaît, assez fort. L'impunité, c'est la source de tous nos malheurs. L'impunité, voilà la source de tous les malheurs d'Haïti. Et comme proposition, je me permets de vous déclarer ce matin que quand un peuple social est bafoué, il est normal qu'il devienne revendicatif. Amen. Quand un peuple social est bafoué, il est normal qu'il devienne revendicatif. Et ces revendications doivent continuer jusqu'au bout. Haïti doit avoir un autre soleil. Après l'épopée de 1803, qui nous a conduit à l'indépendance, les bases d'un nouvel État souverain étaient jetées par le chef des indépendantistes, Jean-Jacques Dessalines. Il voulait un pays haïtien, indépendamment des différences ethniques. Il voulait un pays où règne la justice et l'équité. Il voulait un pays où chacun puisse vivre dans la dignité, dans le respect et dans l'abondance. Dans l'article 15 de la Constitution de 1806,
il est stipulé, écoutez ça, la garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée. Article 15 de la Constitution du Père de la Nation. Il a déclaré, la garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée. Article 15, Constitution 1806. Garantie sociale peut exister seulement dans ces trois conditions. Si la division des pouvoirs est établie, si les limites des pouvoirs sont fixées et si les responsabilités des fonctionnaires publics sont assurées. Mais nous sommes en train de parler d'un homme distingué. Et cet homme, c'est le père de la nation. Division des pouvoirs établie, limite des pouvoirs fixés, responsabilité des fonctionnaires publics. Contrairement aux croyances populaires selon lesquelles Dessalines était un sauvage qui croyait seulement au massacre, à la destruction, coupé tête, boule caille, le père de cette nation était un vrai civilisateur, un dirigeant politique dont la vision est encore actuelle. Division des pouvoirs, limite des pouvoirs fixés, responsabilité des fonctionnaires publics. C'est aujourd'hui encore la plaque tournante de toute démocratie constructive. Mais bien-aimé, Dessalines était un grand homme. Dessalines était un grand politicien. Dessalines était un grand esprit. Dessalines était un civilisateur. La séparation des pouvoirs, la fixation des limites des pouvoirs et la responsabilité des fonctionnaires publics. Aujourd'hui encore, c'est la plaque tournante qui fait fonctionner toute démocratie constructive de 1806 à aujourd'hui. Mais c'est aussi à cause de cette vision politique d'égalité pour tous que Dessalines a été fauché. À cause de cette vision, il a été fauché, abattu par des ennemis de l'indépendance et de la liberté réelle de cette jeune nation. C'est à cause de cette vision d'égalité pour tous que Dessalines a été fauché, abattu par des ennemis de l'indépendance et de la liberté de cette jeune nation. Je me pose des questions ce matin. Depuis cet assassinat, qui est-ce qui a été puni? Je demande à chaque intellectuel de n'importe quel pays du monde, puisque nous sommes suivis, de répondre à cette question, s'il vous plaît. Depuis l'assassinat du père de la nation en 1806 jusqu'à aujourd'hui, qui est-ce qui a été puni? Qui est-ce qui a été jugé? Qui est-ce qui a été condamné? Qui est-ce qui a payé pour ce crime odieux? L'histoire répond, personne. L'histoire répond, personne. Alors si vous voulez comprendre la lutte d'Haïti aujourd'hui, il faut comprendre cette tranche de l'histoire. Au lieu de rendre justice à cette nation, les auteurs de l'assassinat ont distribué des terres de l'État à des officiers complices et la majorité nationale a été abandonnée à elle-même. Les Vanupiers, les Marrons, les Bossal et leurs enfants, c'est-à-dire vous et moi aussi, nous étions abandonnés sans assistance, sans infrastructure sanitaire, sans infrastructure éducative, sans infrastructure économique. Les assassins se sont tournés vers l'extérieur.
qu'ils considèrent comme leur patrie. Et ils ont abandonné les marrons qui ont fait l'indépendance de ce pays. Sans infrastructure sanitaire. La honte de cette question, c'est qu'aujourd'hui encore, nous n'avons même pas un hôpital sérieux dans ce pays. Les preuves historiques sont là. Nous avons une classe politique qui ne peut pas doter le pays même d'un hôpital. L'étranger voulait nous aider à reconstruire l'hôpital de l'Université d'État à Port-au-Prince dans 2 ans. Ça fait 9 ans que l'hôpital est là. Qu'est-ce que cela représente, quelques millions de dollars pour bâtir un hôpital? Aujourd'hui encore, nous n'avons pas un hôpital en Haïti. Depuis 1806, le pays a été abandonné sans infrastructure sanitaire jusqu'à aujourd'hui. Cela nous concerne même si nous sommes des protestants. Ils ont galvaudé chaque fois que nous avons essayé d'édifier un système d'éducation. Cette éducation a été galvaudée. Quand nous réalisons qu'il faut combien de temps pour bâtir un jeune garçon bien fait, une jeune femme bien faite, nous réalisons qu'avec l'effondrement de l'éducation en Haïti, il faut beaucoup de temps pour rebâtir ce pays et reprendre les rênes de l'histoire. Aujourd'hui encore, nous sommes sans terre. Les grands propriétaires terriens, qui sont-ils? Les éternels héritiers. Boyer avait donné toutes les terres de ce pays. Et les terres de l'État n'ont jamais été valorisées. Les terres sont là, sans jamais rentabiliser. Et le pays s'en va dans d'autres pays à la recherche d'autres terres pour travailler la terre. Les Haïtiens laissent Haïti pour aller n'importe où pour travailler la terre. Ils sont au Chili, ils sont en Dominicanie, ils sont au Brésil, ils sont à Salvador. Qu'est-ce qu'ils font particulièrement? Le travail de la terre. Mais toutes les terres haïtiennes sont restées là à être gaspillées sans jamais valoriser. Et la misère gagne du terrain. Et la misère gagne du terrain. Et la misère gagne du terrain. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la majorité de la population ne peut même pas envoyer ses enfants à l'école. Alors, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce pays, laissez votre esprit s'ouvrir sur l'histoire et comprenez. Aujourd'hui encore, cette odieuse situation perdue. Santé, pas. Éducation, pas. Richesse, pas. Parce que les terres de ce pays qui constituent notre seule richesse ne sont pas cultivées. Aujourd'hui encore, Haïti est debout comme nation, malgré tout. Aujourd'hui encore, Haïti est debout comme nation, malgré tout, parce que nous savons ce que nous voulons. Nous voulons la liberté vraie. Nous voulons la souveraineté nationale. Nous voulons le droit à l'autodétermination. Il est temps que Haïti cesse de prendre des dictées des autres nations. Amen. Nous avons besoin de chefs capables de s'asseoir et discuter. Dessalines a été assassiné, mais l'idéal dessalinien n'est pas mort. Je vous dis à tous ce matin, Dessalines a été assassiné, mais l'idéal dessalinien n'est pas mort. Vous vous demandez pourquoi ce pays est-il toujours tellement agité? L'histoire répond. Les vrais Haïtiens, les petits-fils de Marron, les petits-fils de Bossal et de Vanupié, ils réclament ce qui leur est dû. La justice pour tous. Ils réclament ce qui leur est dû, la justice pour tous, justice sociale, justice économique, droit d'exister et de vivre dans la dignité. Voilà ce que nous cherchons. Justice sociale, justice économique, droit d'exister et de vivre dans la dignité. Notre lutte aujourd'hui encore, c'est pour dire non à l'impunité qui a sapé les bases de notre pays. Ecclésiaste 8, 11 nous dit,
Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. Je me permets de vous dire aujourd'hui que depuis Platon, la justice a été considérée par les auteurs politiques de toute obédience comme l'une des qualités premières d'un bon ordre politique. Et le grand Flavius Petrus Sablatius, connu sous le nom de Justinien, empereur byzantin, il a déclaré clairement « La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. » Dixit Justinien. La justice, c'est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. Dictionnaire de la pensée politique. Ces pensées sont en accord parfait avec la Bible qui explique dans Ecclésiaste chapitre 8 que les conséquences logiques de la corruption universelle de l'humanité, c'est l'impunité qui finit par installer un état d'anarchie légalisé sur la planète en général et dans chaque pays en particulier. Dans les petits pays, la violence apparaît plus clairement. Mais c'est le monde qui est en feu, faute de justice. Je suis en mesure de vous dire ce matin que la sagesse politique n'est pas une science logique. Qu'est-ce que j'ai dit ? La sagesse politique n'est pas une science logique. La sagesse politique, c'est un art psychologique. La sagesse politique, c'est l'art psychologique de saisir ce qui est relativement opportun. La sagesse politique, c'est l'art psychologique de saisir ce qui est relativement opportun. Haïti a raté beaucoup d'opportunités. En 86, nous avons raté l'opportunité. En 90, nous avons raté l'opportunité. À chaque fois que l'opportunité se présente à nous, nous l'avons raté. Nous avons raté l'opportunité de Maniga. Mais maman, c'est bois qu'à l'élier. Merci, cher. Dans le cas d'Haïti aujourd'hui, nous avons besoin d'un ordre autoritaire. Dans le cas d'Haïti aujourd'hui, nous avons besoin d'un ordre autoritaire capable de prévenir une insurrection généralisée. Si la nation est sage, si les dirigeants sont sages, si les élites sont sages, ils ont besoin de comprendre cette sagesse politique dans sa dimension réelle. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire aujourd'hui capable de prévenir une insurrection générale. Mais cet ordre autoritaire doit sortir de la réserve saine de cette nation. L'ordre autoritaire ne sortira pas du pouvoir, ni de l'opposition, ni des prostitutions de tous bords qui empêchent ce pays d'arriver jusqu'à sa destinée. Mais cet ordre autoritaire doit sortir de la réserve saine de cette nation. Trop longtemps, la lutte du peuple social haïtien a été récupérée par des individus qui s'intéressent aux privilèges que confère la politique, sans jamais s'engager à servir réellement la nation. Et nous disons cette fois que la lutte ne doit pas être récupérée. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire qui inspire confiance aujourd'hui. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire capable de rétablir l'autorité de l'État. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire juste, constitué de citoyens qui ont encore de la dignité. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire honnête, capable de dialoguer, de négocier, capable d'harmoniser les différences pour le bien-être de toute la nation, comme le voulait l'illustre assassiné de 1806. Aujourd'hui, c'est toute l'âme nationale haïtienne qui réclame justice, qui dit non à l'impunité installée depuis trop longtemps
sur cette terre qui est le symbole de la liberté pour tous. Parce qu'une sentence contre de mauvaises choses n'est pas exécutée promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. 1% de la population possède tous les biens du pays, tandis que 99% croupissent dans une existence infrahumaine, sous les regards indifférents et complices de l'international. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est pas la volonté. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimés, la vie est une compétition. La vie est une compétition dans laquelle nous devrions tous avoir les mêmes droits.